face. Tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care. Regarde ça! Qu'est-ce que c'est? Atreus! Regarde! Il y a des runes sur le côté. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit ce que nous sommes à deux, à trois, mais que je ne peux être seul. Une énigme? Il y a peut-être un indice quelque part. J'ai l'impression que ces cercles devraient tourner. Les cercles tournent. Redescends. Dit famille. C'est pas un indice. C'est la réponse. Ce que je ne peux être seul. Tu vois? Prends ton couteau et trace les runes dans le sable. Vraiment? Kinslos. Il s'est passé quelque chose! Ça a marché! Content d'avoir rencontré Brock, mais je suis encore plus content de quitter cet endroit. C'est derrière nous maintenant. Atreus, regarde ces traces. Peut-être un sanglier. Je suis pas sûr, mais je le trouverai. Vas-y. Les réflexes d'un guerrier doivent toujours rester affûtés. Come on.
Les Nornes. Le destin. Le destin. Alors elles ne peuvent rien apporter de bon. Ok. Atreus, par ici. Intéressant. Je devrais peut-être l'écrire.
Atreus, j'attends ton animal devant. Je savais que c'était un sanglier. Quand tu es prêt, bande ton arc fermement. Le cuir des sangliers est épais. Mais je l'ai touché pourtant. J'ai fait comme t'as dit et la flèche a ricoché. C'est un sanglier magique. Qu'en penses-tu? C'est le sanglier le plus étrange que j'ai vu. Alors rattrape-le. Reste sur tes gardes. C'est encore ces hommes ? Non, autre chose. Certains de ces corps appartiennent à ces créatures étranges. Des drogards ici. Ils se sont peut-être battus. Regarde, il s'est faufilé sous le pilier. C'est bon. Le coude bien haut, la main ferme. On se détend. La précision avant la vitesse.
Ouais. Ne le perds pas de vue. Atreus. Atreus. Où es-tu? Dépêche-toi, père. Je l'ai trouvé. Atreus. Il ralentit. Attends-moi, Atreus. Père, par ici. Atreus. Qu'est-ce que tu as fait? Pardon. Atreus. Je savais pas qu'il était à quelqu'un. Il n'est pas à moi, c'est mon ami. Le garçon ne faisait que m'obéir. Alors aidez-moi. Appuyez ici, s'il vous plaît. Appuyez, je vous dis, il perd du sang. C'est le dernier de son espèce dans tout le royaume, et vous le tuez. Vous aviez si faim que ça? Il m'entraînait à tirer. Quoi? Il s'entraînait à tirer? Je suis tellement désolée. Maintenez la pression. C'est de ma faute, j'aurais dû être plus vigilante. Il va mourir? Je ne le laisserai pas mourir. Vous, la flèche a probablement sectionné une artère. Trouvez les deux extrémités et maintenez-les. Commencez par le côté gauche. Maintenez-le bien. Le côté droit maintenant. Tenez-le bien. Maintenant, rapprochez-les. Alignez-les. Vous êtes une sorcière. Je ne peux pas finir l'incantation ici. Ma maison se trouve derrière ces arbres. Vous allez le porter. Il ne faut pas qu'il meure. Bien. Il a l'air stable et apaisé pour le moment. Graisse. Par ici. Cet arc est un peu grand pour toi, non? Ma mère me l'a fabriqué. Elle a dit qu'il m'irait plus tard. Je ne t'ai jamais vue dans ces bois. Tu dois beaucoup lui manquer. Elle... elle est morte. On emmène ses cendres sur le plus haut pic des royaumes. Ses cendres? C'était son dernier vœu. Atreus. Je suis vraiment désolée. C'est ici. Vous vivez dans un arbre? Pas dedans. En dessous. Emily! Regarde! N'ayez pas. Il est gentil? Atreus. Faites-moi confiance, il ne craint rien. Il est inoffensif. Vite. Thank you.
Posez-le sur ce symbole. Surveillez-le. Vous vivez seul ? C'est mieux ainsi. Mon père non plus n'aime pas trop les gens. Atreus. Quoi ? C'est vrai. Finis-le bien pour qu'il ne se fasse pas mal. Bien. Doucement. Repose-toi. Il me faut deux choses. Il y a des racines rouges qui poussent derrière la maison. Tu peux m'en cueillir un pied ? Quoi d'autre ? Écoute. Je sais que tu es un dieu. Pas de ce royaume, mais je sais que j'ai raison. Il ne sait rien, pas vrai ? Sur votre vraie nature, ou la sienne. Ça ne te regarde pas ! Les dieux de ces royaumes n'apprécient pas beaucoup les étrangers, crois-moi. J'en sais quelque chose. Quand ils te trouveront, et ça arrivera, ce ne sera pas une partie de plaisir. Le garçon exigera des réponses. Ça, c'est mon problème. Quoi que tu caches, tu ne pourras pas le protéger éternellement. Mais tu as raison. Ça ne me regarde pas. J'ai aussi besoin de cardamine. Une fleur blanche qui pousse dans le jardin. Une poignée suffira. Très bien. De la cardamine. La cardamine, parfait. Tu as aussi la racine rouge ? Le garçon est parti la chercher. Tu pourrais peut-être l'aider. L'onguent ne fonctionnera pas sans ces deux ingrédients. Avec ça, peut-être. Je l'ai fait tomber ? Pendant que tu poursuivais l'animal. Qu'est-ce qui cloche chez moi ? Si je l'avais perdu ? Tu l'as déjà perdu. J'y ferai plus attention, c'est promis. Exactement ce qu'il me faut. Il va pas mourir ? Non. Alors nous partons. Attends. J'aimerais te remercier. Tu veux être tranquille ? Cette marque te dissimulera aux yeux des... de ceux qui pourraient vouloir te barrer la route. Louina. Louina. Himmler.
y a un raccourci sous la maison qui vous permettra de sortir de ces bois sans danger. Descendez par ici. Et suivez la lumière. Est-ce qu'on se reverra? Autant que tu en auras envie. Maintenant, file de là. Allez, viens. Ce passage souterrain vous remettra sur le chemin de la montagne. Prenez le bateau. Attends. Prends ça. Serpent pour t'orienter et trouver ton chemin. Elle pointera toujours vers ton objectif. Je vois le bateau. Dépêche-moi! Cauchemar. Maman me parlait d'eux. Je pensais pas qu'ils existaient vraiment. Des cauchemars. Oui. Ils te donnent des cauchemars. À moins que ce soit eux, les cauchemars. Je me souviens plus. Ils sont là pour lui demander. On atteindra la montagne bien plus vite. J'arrive pas à croire que je suis ici, en train de faire tout ça. Il y a pas si longtemps, je pensais que je quitterais jamais nos bois. Ou même mon lit. Ce n'est pas ta faute si tu as été malade. Oui, je sais. C'est juste une façon de dire que je suis content. On est tellement proches. On arrive dans la mer. Comment tu le sais? À l'odeur. Si la mer sent comme ça, alors elle pue. Regarde ça. C'est Thor. Thor, le dieu du tonnerre. C'est ça. Je pensais que t'écoutais pas quand maman parlait des dieux. J'écoutais rarement. A-t-elle déjà parlé d'un dieu qui ne ressentait pas la douleur? Oh. Ça doit être Baldur. Baldur. Mon dieu As, fils d'Odin et de Frigg. Et Odin est leur roi. C'est ça. Pourquoi cette question?
y a des runes sur sa poitrine. J'arrive pas à les déchiffrer d'ici. Il est écrit « Sacrifie tes armes aux profondeurs de l'eau, tire de son sommeil le berceau du monde. » On doit jeter nos armes dans l'eau, c'est ça? Ça sera pas un problème pour toi. Est-ce que tu vas le faire? La hache n'est pas revenue. T'as vu? Et ça, c'est la statue de Thor, sauf qu'on le voit beaucoup mieux maintenant. Le niveau de l'eau a baissé quand le serpent en est sorti. Oh, ça explique pourquoi cette plage n'était pas là avant, tu vois? Et là, c'est la montagne, regarde! Ce bâtiment relie le pied de la montagne au temple doré. Tout était caché juste sous la surface. Sauf la statue. Heureusement, hein? Il y a même un quai, là, à côté du drapeau. On va d'abord sur le quai, pas vrai? On sera les premiers à poser le pied dessus depuis une éternité. Que sais-tu à propos de ce serpent? C'est un des géants. Il est tellement grand qu'il entoure le monde et mord sa propre queue. Une exagération. Je sais pas, il m'a paru plutôt grand. T'es là depuis combien de temps? Depuis très longtemps. C'est le chemin pour la montagne? Il semblerait. Ce serait pas notre grand balèze barbu et son avorton? J'ai justement quelque chose pour vous! Brock? Mais comment as-tu... Mêle-toi de tes oignons! Et venez plutôt par ici, j'ai quelque chose pour vous. Et pas la peine de lorgner sur mon coin. Je l'ai vu en premier. D'accord. Qu'est-ce qu'il veut d'après toi? Mettre notre patience à l'épreuve. Quand les gens sauront que j'ai ouvert un nouvel atelier, ils sortiront de leur trou. Ils se battront comme des chiffonniers pour admirer mes créations. C'est moi qui vous le dis. Tu te déplaces toujours au pas de course, comme ça? Attrapé! Vous voyez ce tas de pierres? Grâce à cette clé d'Yggdrasil, vous pouvez ouvrir une porte magique vers les branches de l'Arbre-Monde. Une sorte de raccourci entre les royaumes. Si vous en croisez au cours de votre voyage, utilisez-les pour revenir me voir rapidement. Mais ça ne fonctionne que dans un sens, et ça ne vous mènera qu'ici.
haut et très important. Ne quittez jamais, 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 jamais le chemin. Sauf si vous tenez à mourir. Non, je vois pas pourquoi on ferait ça. Qu'est-ce que tu veux, petit gars? Attention, vous ne récupérez rien qu'en la regardant maintenant. Alors, on reste dans le coin pour causer un peu? So